Je vais vous montrer comment sur mobile aller chercher les images, comment générer votre meme et comment le déposer sur Teams. Alors, dans votre équipe Teams, on va aller dans le général, on va cliquer dans les fichiers. Dans les fichiers, on va trouver le dossier 3 Meme, à l'intérieur duquel on a deux autres dossiers, un fichier remise où vous allez remettre vos choses et un dossier explication. Dans le dossier explication, on a plusieurs exemples de photos pour vous inspirer et on a un document Word sur lequel vous pouvez lire les étapes du travail. Donc, on a d'abord comment aller chercher les images et où aller les chercher. On a trois liens Internet de Banque d'images patrimoniales du Québec et on a la façon de procéder pour aller générer son meme sur le site web. Donc, j'utilise un site Internet. En cliquant dessus, on va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je suis en train d'ouvrir le site Internet du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Alors, c'est une collection d'images qui a été mise à la disposition pour cette activité. Je n'ai qu'à descendre la page pour aller voir, en fait, bref, toutes les images qui me sont offertes. Une fois que je vous suggère en fait de tous les regarder pour aller chercher l'image qui vous inspire le plus, qui pourrait lancer le mieux un propos, une idée qui vous vient en tête. Une fois que je sais que c'est cette image-là que je veux, je clique sur l'image, on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre et je tiens à enfoncer mon doigt sur l'image pendant quelques secondes et on va ajouter à photo. Donc, j'ai enregistré l'image dans mon cellulaire. Je vous suggère d'en enregistrer plusieurs, comme ça, bien, vous allez avoir plusieurs choix. Je vais dans mes photos et effectivement, mon image, elle est enregistrée. Cette fois-ci, je retourne dans Teams plutôt et je vais aller dans la seconde partie des explications sur la façon de générer mon meme. J'ouvre le lien Internet qui m'emmène vers une page pour générer. Nous, on va partir plutôt de notre propre image. C'est pour ça qu'on va cliquer sur « Upload new template ». On va sélectionner « Upload image from your device ». Photothèque. Je vais chercher l'image, choisir que je souhaite. Ici, je peux redimensionner. Je peux également flipper, faire une rotation si nécessaire. Upload. Voilà l'image qui sert à mon meme. Dans le petit menu du haut, je peux ajouter des stickers qui vous sont offerts. Donc après ça, on peut théoriquement le déplacer. Ensuite, un peu plus bas, j'ai ici bon, mon top text et mon bottom text, donc le texte du haut. On écrit ce qu'on veut. Dans le texte du bas, on écrit ce qu'on veut. On fait sûr et certain. En fait, on est sûr et certain qu'on n'ait pas de faute. On peut changer aussi la couleur du texte, mais je vous suggère quand même de le laisser noir et blanc. C'est ce qui est le plus commun et qui servira probablement le mieux votre meme. On choisit « Generate meme » et on va choisir ici « Go to image page ». Alors, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et comme on l'a fait pour l'image qu'on est allé chercher sur le site web, je tiens à enfoncer mon doigt quelques secondes sur l'image jusqu'à ce qu'on m'offre le choix « Ajouter à photo ». Et là, si je vais dans mes photos, ben, mon meme est enregistré. Il me reste alors à retourner dans Teams. Je vais aller encore une fois dans mon équipe, dans les fichiers meme. Je vais aller par contre dans remise. Et je vais ajouter images et vidéos.
Je vais aller sélectionner mon image et elle va s'ajouter aux autres qui sont déjà là. Et on voit donc modifié par Frédéric Gay. Donc, ça m'assure que mon image, elle est là. Je peux même l'ouvrir pour être sûr. Voilà, c'est la façon d'aller chercher les explications, d'aller fouiller sur les trois liens de banque d'images, d'enregistrer votre photo, de la changer en meme via le site web et de l'uploader dans Teams.